Je m'appelle Karine Bonneval et je suis une artiste qui travaille sur notre relation en tant qu'être humain aux plantes et notamment par des voyages et des résidences que je pratique soit avec des équipes de scientifiques principalement en écologie végétale, soit là par exemple avec des équipes des jardins botaniques. Donc ce que j'ai derrière moi, ce sont des pièces que j'ai réalisées en résidence au musée botanique de Berlin en 2018. Et donc c'est un travail sur les Victoria amazonica, donc qui sont ces nénuphars géants d'Amérique latine. Et j'ai travaillé sur une double entrée, c'est-à-dire ce végétal comme une forme d'attraction dans les jardins botaniques, puisque c'était vraiment quelque chose de très spectaculaire quand c'est arrivé, qu'on a réussi à les acclimater au 19e siècle dans les serres européennes, et aussi sur l'idée du modèle. Le modèle étant ces parties agrandies de végétaux qu'on a reconstituées en tant qu'objet d'étude, notamment avant que les microscopes puissent être plus vulgarisés et qu'il y en ait en plus grande quantité. Donc c'était des parties agrandies de végétaux qui permettaient d'étudier et d'apprendre aux apprentis botanistes en fait. Et donc mes matériaux ici sont de la cire d'huile de colza que j'ai employé pour réaliser donc des parties de Victoria amazonica. Ici, c'est la feuille renversée du nénuphar qui, de par son architecture, permet à la feuille de flotter. Et derrière moi, c'est aussi une feuille d'amazonica que j'ai peint. Donc tout ça pour montrer un peu ce côté spectaculaire, exceptionnel, et la manière dont on l'a aussi retourné en tant qu'objet d'admiration en l'extrayant de la nature. Donc c'est assez ambivalent.